Oui, et pourquoi ce congrès? Vous savez que nous avons un statut. Et en réalité, c'est un congrès statutaire parce que nous avions fait notre conseil national. Et l'une des recommandations donc, du conseil national, c'était la tenue du deuxième congrès. Les dates ont été plusieurs fois reportées. Et finalement, nous allons tenir ce congrès à Parakou le 10. Pourquoi le 10? Le 10 simplement parce que ça nous rappelle le début de la conférence nationale qui a libéré ce pays des tas de l'oppression et de la dictature. Vous voyez, et Parakou parce que c'est l'une des grandes villes du septentrion. Il ne fallait pas tout le temps faire les choses au sud comme si d'autres parties du pays n'existaient pas. Alors donc c'est pour nous conformer au statut. Et aussi, après les départs massifs et autres, nous avons voulu quand même nous regrouper, refonder encore cette alliance et en la transformant en un parti politique pour pouvoir mieux évoluer. Nous avons participé à plusieurs élections, à plusieurs fois à l'élection présidentielle, et plusieurs fois aux élections législatives, plusieurs fois aux élections communales et locales. Et donc il n'y a pas de quoi que nous ne puissions pas nous prononcer, avoir notre mot à dire dans les joutes électorales à venir. Nous avons encore des députés à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de la politique au Bénin sans compter avec FCPE. Le président Yahya Boni est très inspiré, un homme très inspiré, un homme très dense. Et il me serait difficile d'imaginer ce qu'il pourra dire. Mais je sais que la population a soif de le voir. Lui-même, il a vraiment envie de communiquer avec son peuple, de communiquer avec ses militants. Je crois que ses premiers mots seraient essentiellement un remerciement, une reconnaissance. Une reconnaissance parce que malgré son départ, les gens continuent de le porter et lui aussi va leur exprimer sa reconnaissance et de les revoir. L'appel que j'ai à lancer aux militants, c'est de leur dire que FCBE n'est pas morte, FCBE est encore bien là et sera davantage là par la grâce de Dieu. Autre appel, c'est de demander à tous les militants qui le peuvent de faire massivement le déplacement de Parakou pour les 10 et 11. Vous voyez, ça va être une grande rencontre conviviale, ça va être une fête, ça va être vraiment de grandes retrouvailles et il faudrait que les gens aient le courage d'affirmer leur identité. Il faudrait que les gens aient le courage d'affirmer leur opinion, d'affirmer leur conviction. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui auraient bien souhaité arriver, mais parce qu'il y aura les caméras, les gens ne voudraient pas qu'on les voit parce que bon, ils veulent tricher avec leur conscience. Être ici et être là-bas, ou bien profiter de là-bas, et quand ça va commencer par se raréfier, se retourner encore vers ici, non. Il faut souffrir, il faut semer avant de récolter. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul, dit-on. C'est ce qui a inspiré ce digne fils du Bénin à mettre sur pied, il y a de cela 10 ans, l'association dénommée ASP, entendez, Action, Solidarité et Partage en vue de voler au secours des pauvres démunis et marginalisés de la société. Pour atteindre cet objectif, les membres de cette association se sont donné pour tâche de procéder à des cotisations mensuelles, ce qui leur permet à la fin de chaque année de cibler une localité pour accomplir leur mission. Ainsi, après Abomey l'année dernière, c'est le tour des sourds muets de l'école des sourds de Hendé dans l'arrondissement de ces communes de Kouyabé, département de Mono, de recevoir la caravane de solidarité de l'ASP. Avant toute autre chose, une messe d'action de grâce précédée d'une procession à travers la ville a été dite à l'église catholique Saint-Bernard de Sèvres à l'intention de l'association Action, Solidarité et Partage. Frères et sœurs, je crois que ces trois mots résument tout le bien que l'homme doit faire à son prochain. L'homme doit pouvoir dans sa vie mener des œuvres de charité, des œuvres d'amour envers l'autre pour son bien, car Dieu a réparti les biens dans ce monde pour que tous les hommes puissent vivre et être en paix. Chant de réjouissance a également été au menu de cette messe d'action de grâce qui a connu la participation de tous les membres de l'association ASP ainsi que des heureux du jour.
Il a été procédé à la suite de cette messe à la distribution à ses enfants des vivres et autres objets de première nécessité. Des objets d'assainissement ont aussi été offerts aux femmes de cette localité. Oui, le vrai bonheur coûte peu quand la joie du donner et du recevoir habite comme il est de coutume chez nous depuis une décennie que j'ai porté avec vous cette association Action, Solidarité et Partage sur les fonds baptismaux. Cette célébration a été couplée de l'Assemblée générale de la dite association, occasion pour son président de galvaniser le moral de sa troupe. Notre présence en ces lieux tient de cette nécessité de réfléchir sur nos actions afin de consolider nos acquis et de les ouvrir à des perspectives plus durables et encore honorables. Mesdames et messieurs, chers amis et associés ASPN, ASPN, je salue en vous cette vitalité du bien qui vous fait mouvoir et j'espère qu'en toute intelligence, cet esprit du bien préside ses acides et que les fruits profite à nos communautés. Rappelons que les membres de l'association ASP ont été reconduits pour un nouveau mandat. Inventer une Afrique autre. Monde invisible, développement et christianisme. C'est ainsi que l'œuvre du père Nathanael Yaobi Soodé a été présenté aux fidèles parents et amis de l'auteur. Le titre de l'ouvrage tel qu'il est inscrit là-dessus nous interpelle tous et nous interroge et nous demande en même temps de nous remettre en cause. Pourquoi? Parce que inventer une Afrique haute, monde invisible, développement et christianisme, nous sommes dans une Afrique, et comme l'auteur l'a dit tout à l'heure, qui a connu plusieurs phases de tentatives de développement. Mais pour notre génération, on a l'impression aujourd'hui que nous sommes restés dans le starting block, dans le bloc de départ. Mais nous n'avançons pas. L'Afrique ne peut se prévaloir d'être religieuse ou plus spirituelle que l'Occident si son rapport avec le monde invisible ne fait pas d'elle le continent de développement. Il faudrait vraiment que nous nous engagions pour inventer une Afrique autre. L'Afrique nous a donné comme continent, comme terre, et elle est don et responsabilité qui nous engage à savoir que nous ne devons pas la laisser telle que nous l'avons reçue. Elle est comme un enfant qui nous est confié. Nous devons veiller à son développement de sorte qu'elle puisse devenir pleinement développée et promoter de notre bien-être humain. Quand on développe un enfant, on s'enrichit pour l'avenir. Le continent africain nous est donné et nous devons travailler à ce que son visage change. Nous savons combien aujourd'hui le continent africain, en dépit de ses richesses, est devenu la proie de toutes sortes de crises et également la proie de toutes les théories et de toute idéologie qui nous considère comme les parias de l'humanité. Plusieurs amis et connaissances de l'auteur ont saisi le lancement de cet ouvrage pour nous livrer leurs impressions. J'ai subi, comme tout le monde, le développement des sociétés occidentales. Et par conséquent, j'ai compris que ce document, ce livre plutôt, déjà le titre est déjà édifiant. Et en plus des édifiants intervenants, j'ai compris que c'est un livre qui est très important pour le développement de l'Afrique. C'est une fierté pour moi. Et je dois être là. Et je n'ai pas encore parcouru à fond, mais la première page, comme l'a dit le professeur Pachavi, le premier chapitre du moins, le huitième, nous donne la quintessence et la conclusion, nous donne la quintessence de l'ouvrage. Et ce que moi je dis, il faut qu'on arrive à mettre en pratique les propositions des chercheurs, surtout les anthropologues. Il faut qu'on arrive à traduire en action ce qui est pensé par ces chercheurs-là. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, célèbre chaque 2 février la Journée mondiale des zones humides. Mais les zones humides sont souvent les lacs,
les lagunes, les tourbières, les marécages, y compris les lagunes côtières. Sans eau, rien ne pousse pratiquement. Et les zones humides permettent d'offrir aux humains, aux animaux et à l'écosystème toutes les qualités nécessaires pour que les autres puissent en tirer le maximum de profit. Pour répondre à ces engagements pris dans le cadre de cette convention, le Bénin a inscrit 4 sites sur la liste Ramsar des zones humides d'importance internationale. Il s'agit des sites 1017 sud-ouest, des sites 1018 sud-est au sud du Bénin et des sites 1668 complexe Parc W et 1669 Rivière Pandjari au nord pour une superficie totale de 1179,354 hectares. En dehors de ces 4 sites, le complexe écologique du chenal Gbagba, situé au sud-ouest du Bénin et au sud-est du Togo, est en cours d'inscription sur le site, la liste des sites Ramsar transfrontaliers. Et lorsque nous parlons d'écosystème de mangrove, c'est un environnement dans lequel nous retrouvons des espèces de palétuviers qui constituent des espèces importantes pour le développement des poissons, une zone de frayeur pour leur développement, une zone d'accueil pour les oiseaux d'un certain nombre de catégories. Mais il se fait que globalement, les populations riveraines s'acharnent sur ces écosystèmes-là, développent des pratiques de production au niveau de la zone, développent des pratiques prohibées de pêche qui ont des impacts, je dirais, négatifs sur ces mangroves. Si on les restaure, les zones humides contribuent à rendre agréables nos villes et campagnes. C'est le combat que mène l'unité de protection de l'environnement. Comment cohabiter avec une zone humide? Comment vivre dans une zone humide? Mais comme je le dis très souvent, l'environnement ne se gère pas au ciel. Ça se gère sur des communes. Donc l'implication de nos élus locaux, à partir du chef quartier, chef d'arrondissement, le maire, les différents maires. Parce que vous savez, quand vous parlez de zone humide aujourd'hui, de tradition, nos populations, on ne va pas dire de l'incivisme, mais peut-être par méconnaissance, la zone humide pour elle, c'est une zone peut-être, il faut mettre des tas d'ordures, fermer tout ce qu'il y a comme cela, et pouvoir construire. Et après, quand on est inondé, on commence par se plaindre. La protection des zones humides a un lien direct avec le développement. Le développement des populations de ces zones, le développement des populations des zones et même des villes. Dans la mesure où, quand nous prenons l'eau potable par exemple, la réconciliation de l'eau potable dépend de la gestion des zones humides. Normalement, selon la convention de Ramsar, chaque site Ramsar doit avoir en son sein un noyau central qui sert de frayère et de zone de conservation pour repeupler après tous les autres sites. Donc c'est dans ce qui a motivé notre démarche à l'endroit de ces maires pour que nous puissions arriver à mettre en place cette réserve intercommunautaire, arriver à la conserver, à la gérer de manière à ce qu'on puisse trouver de la végétation, de la biodiversité pour pouvoir repeupler tout le site en général.